Alors, être jeune sapeur-pompier, c'est une activité physique, il y a du sport. Mais il n'y a pas que le sport, il y a aussi tout ce qui est la partie formation qui est obligatoire et intéressante pour le jeune. Notamment, ça lui apprend aussi la discipline, le travail en équipe, le respect de soi, puis le respect des autres. Et ça, cette formation est sur les 4 années, donc de 13 ans jusqu'à 17 ans. Alors le but d'être des jeunes sapeurs-pompiers, c'est d'apprendre à sauver des vies. Donc bon, il y a la partie sport, mais apprendre à sauver des vies, à apprendre aussi à maîtriser, à éteindre un feu. Alors, à leur niveau, ça sera un feu domestique. Ça peut être un feu de friteuse, ça peut être un début d'incendie à la maison. Et des fois, avec rien, si on le prend dès le départ, on peut sauver une maison. Avec un seau d'eau, si on attend trop, il va falloir un peu plus. Et donc, nous, on est là pour leur apprendre à agir le moment voulu rapidement. Donc, soit en secourisme, sur un malaise sur la voie publique, comme sur un début d'incendie à domicile. Vous venez de le dire, c'est qu'on joue un rôle à part entière dans la vie de tous les jours. Ben, dès qu'il... Alors, nous, ce qu'on leur dit, c'est à partir du moment qu'ils rentrent jeunes sapeurs-pompiers dans un centre de secours, qu'ils soient en tenue ou en civil, ils ont quand même l'image du pompier. C'est-à-dire, il y a les gens qui nous voient, comme aujourd'hui, ils sont en tenue, mais les gens, quand ils seront demain en civil, ils seront reconnus. Et si, ouais, y a un jeune sapeur-pompier, même en civil, qui se passe quelque chose et qui ne fait rien, dans leur tête des gens, c'est les pompiers n'ont rien fait. Donc c'est pour ça qu'on leur dit, attention, vous êtes jeune sapeur-pompier, mais vous avez l'image du pompier à respecter. Et ça, on y travaille, ils ont 4 ans pour apprendre. Déjà, dès la première année, ils apprennent les gestes qui sauvent le PSC1. Alors, est-ce que malgré l'uniforme, le côté un peu très sérieux des JSP, quand même, il y a un côté convivial quand même qui doit être important. Déjà, être pompier, c'est une famille. Voilà, donc on essaye de travailler là-dessus aussi. C'est bon, ce sont des enfants. Bon, je ne vais pas dire que je suis leur père comme si j'étais leur père, etc. Non, mais on est là pour leur apprendre et puis on est là aussi pour les protéger aussi. Hein. On parle souvent de tout ce qui est la partie Internet, Facebook, le harcèlement scolaire ou autre. Donc là aussi, on est attentif à ça. L'entraînement, c'est la répétition, c'est tous les samedis matins. Voilà, c'est tous les samedis matins. Alors les premières et deuxièmes années, c'est au Lardin. Les troisième et quatrième années, c'est à Terrasson. Pourquoi Terrasson? Parce que on a du matériel un peu plus important et qu'on peut utiliser au quotidien. Il faut être déjà formé pour pouvoir l'utiliser. Voilà, donc déjà les animateurs jeunes sapeurs-pompiers, ce sont des pompiers qui ont de l'expérience et qui ont une formation au niveau de la formation jeunes sapeurs-pompiers. Ce n'est pas le pompier lambda qui peut faire une formation jeunes sapeurs-pompiers. Il y a une formation derrière qui est obligatoire pour former les jeunes sapeurs-pompiers. Comment s'est passée la fête des assauts? Il y a eu des démonstrations? On a fait une démonstration avec les lances qu'il y a à côté. Donc le but du jeu, c'est de faire tomber la balle qui est sur un cône. Et puis après, on s'est amusé sur le mur d'escalade avec l'aérie. Merci à vous. Merci à vous.